Vous présentez sept individus de concernant des fonctionnaires de l'État qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, surtout escroquerie et complicité, faux commis dans les documents administratifs. Donc c'est eux qui sont derrière nous. Il s'agit de Mohamed Tramé qui est à ma gauche. Mohamed Tramé est chef section chargé de la planification et statistique à la direction des ressources humaines du ministère de la fonction publique. Le second, c'est Mohamed Sékou Touré. Il est chef section courrier au gouvernement gouvernemental et suivi au niveau du secrétariat général du gouvernement. Le troisième, c'est Sékou Diop, qui est en fonction au niveau du ministère des Postes et Télécommunications. Il est fondateur du groupe scolaire Elaj Nou Ndiaye. La quatrième, c'est Bintou Kanté, gérante du cyber Bintou Kanté. Nous avons Moussa Camara, qui est complice. Mouriba Kaba, poursuivi pour complicité. Et Ibrahima Sori Souma. De quoi s'agit-il? Dans la journée du 11 mars 2011, le ministère de la Défense et celui de la fonction publique et de la réforme ont saisi la direction centrale de la police judiciaire suite aux constatations d'un certain nombre d'arrêtés de la fonction publique où les signatures et les cachets ont été scannés et falsifiés. Suite à cette plainte des autorités, la direction centrale de la police judiciaire, à travers la section recherche et investigation, ont ouvert une information, ce qui les a permis de mettre successivement en état d'arrestation ces sept individus où les faits probants ont été exhibés et ils ont eu à reconnaître les faits. Une perquisition suite à cela, une perquisition a été menée au cyber où, vous voyez, tout cet arsenal et ces documents, ces faux documents ont été saisis et exhibés aujourd'hui. Ils reconnaissent les faits, mais vous me permettrez de donner... Mais je n'ai jamais su que c'était des faux arrêtés. Parce que moi, les gens viennent chez moi pour leur aider. Je suis l'intermédiaire entre ceci et Mohamed Touré. Mais je n'ai jamais su une seule fois que ce sont des faux arrêtés. Parce que je ne les connais pas. La seule personne que je connais, c'est Mohamed Sékou Touré, que je connais, et que c'est lui. Et il travaille au secteur du gouvernement. Et que ce dernier qui a fourni aussi le travail, c'est ce dernier qui a aidé les gens de collectif de 2017. Il a beaucoup œuvré là-dedans. Cause pour laquelle je l'ai contacté. Et tout ce dossier qu'il me donne, je vais croire à ce dossier parce qu'il est au secteur du gouvernement. Et quel est votre rôle là? Quel est le rôle que vous jouez dedans puisque vous ne savez pas faire ça? Je ne savais pas que c'était des faux arrêtés. Mais ce que je sais, les gens sont venus chez moi pour les aider à trouver l'emploi. Parce que présentement, pour un emploi, c'est très difficile. Si tu n'es pas bien assis ou bien tes parents ne sont pas très bien soignés, tu ne peux pas être à la fonction publique. Cause pour laquelle ils sont venus me voir. Et que moi aussi, j'ai passé par lui et il m'a fourni des documents et je les ai donnés. Le jour qu'ils sont allés se présenter, c'est lui qui m'a dit que d'aller se présenter. Et moi aussi, j'ai dit à mes protégés d'aller se présenter. C'est ça. Moi, il en combien? Quelles sont les conditions que vous leur donnez pour qu'ils acceptent? Après avoir pris le salaire, ils vont payer un montant de 15 millions. Ce que je dis. Par personne? Par personne, oui. Et vous, vous avez reçu combien de dossiers? Bon, j'ai reçu plus de 400 dossiers. J'ai tout remis à tous. Et que j'ai reçu les arrêtés, j'ai donné aux intéressés. Si ça a marché, il allait payer l'argent. Ça n'a pas marché. Justement. Et que je suis navré de constater que ce sont des faux dossiers. Depuis combien de temps vous êtes dans ça? Non, c'est à partir du 31 décembre, le 1er décembre, qu'il m'a informé que la ligne est ouverte, que d'envoyer la liste de mes éléments. Sinon, j'avais 104 personnes avec lui. Ça fait très longtemps. Je ne l'ai jamais demandé d'arrêter. À partir du 31 1er décembre, il m'a dit que la liste est ouverte,
envoie moi la liste de tes éléments, j'ai envoyé et il m'a fourni les dossiers. Est-ce qu'ils ont payé des avances? Si oui, c'est combien? D'autres ont dossier payé des avances et que je les ai donné à Touré pour faire le travail. Environ combien? Bon, je ne pas estimer, mais que ça peut aller jusqu'à plus de 300 millions. 300 millions? Oui. Répétez le montant, s'il vous plaît. Ça peut aller jusqu'à environ 300 millions. Le nom, s'il vous plaît. Oui. Le nom. Votre job, c'est. Merci. Pour le gouvernement de suivre. Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche pour que vous vous retrouviez à la tête? C'est à cause de dossier, un document administratif. Oui, expliquez-nous un peu les procédures que vous avez amenées par là. Je reconnais les faits, c'est pour les actes. Quel acte? Pour les actes dans la région de la France. Vous avez l'habitude de faire? Vous reconnaissez le faux? Le faux usage de faux? Est-ce que vous reconnaissez le faux usage de faux? Vous avez engagé combien de personnes à la fonction publique? Je ne peux pas te donner le nom parce que j'ai beaucoup œuvré pour beaucoup de membres du parti depuis longtemps. Je ne peux pas te donner le nom. J'ai aidé beaucoup. Vous seul ou bien vous collaborez non, avec non, les gens? Tous ceux qui ont été aidés, ils ont été aidés légalement avant. Le dossier a été mis en place, mais ce n'est pas achevé d'abord. On a aidé des gens. Sans concours? Non. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans l'administration sans concours. Toi, tu connais. C'est non. Pas à travers le concours, tu connais. C'est pas à travers le concours que tout le monde a accès à l'administration publique. Tu peux faire 10 ans dans un département comme contractuel. Tu peux t'engager. Car, oui. À ces facteurs-là, c'est pas à avoir le concours, c'est mon contact à la fonction publique. On peut estimer combien de personnes? Non, je ne peux pas te donner le nombre de questions. Je n'ai pas ça. Vous prenez combien avec les gens? Non, moi je suis sur la télévision. J'ai engagé les gens à 1000 francs. Ils ont photocopié leur dossier, ils m'ont donné 1000 francs, j'ai engagé les gens à 1000 francs. Ça tombe mal, vous, en tant que qui vous... Non. Après ça, l'interview, vous allez avoir les appels. Moi, j'ai engagé les gens, moi, 0 francs. Après l'interview, on aura des appels de qui? Non, les gens vont vous appeler. Beaucoup de personnes vous ont aidé, ils n'ont payé aucun franc. Ils vont vous dire après. Bon, aujourd'hui, donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous pouvez faire une émission à la radio sur ça. Qu'est-ce que vous avez à dire puisque vous êtes dans les filets des autorités? L'autorité a fait son travail. Le fait que son travail pourrait tout le monde aller chercher. En ces mots, vous reconnaissez que vous n'étiez pas dans les trois chemins? À ces mots, le dossier n'était pas venu. Bon, dernière question, est-ce que c'est vous qui êtes habilité à mener ces démarches? Je vous ai dit, la seule, le seul département qui a habilité à mener, c'est la fonction publique. Et vous êtes au secrétaire général? C'est bon. Kanga, merci. C'est bon. Merci. Monsieur Drame, pourquoi vous êtes là? Bon, depuis le 15 mai, on m'a arrêté chez moi. C'est parce que on m'a interpellé. La DPJ. Donc, dès que je suis venu vers 23h00, on m'a pendu dans un bureau des inquiéteurs. Donc, on m'a auditionné jusqu'à 1h-2h. C'est à 1h-2h qu'après maintenant, on m'a fait rentrer, on m'a enfermé. Pourquoi? Donc, parce que j'ai fait un acte qui n'est pas authentique. C'est pas authentique. Donc, un arrêté d'engagement. Vous reconnaissez les faits, monsieur Dramé? Oui, je reconnais les faits. Le faux usage de faux. Le faux usage de faux. C'est la seule fois où vous avez une habitude? Bon, c'est pas permanent, parce que c'est que ça fait à chaque fois. Ce qui se dit là semble être un réseau. Oui. Est-ce que. Quel est votre rôle dans ce réseau? Moi, mon réseau, c'est Mohamed Sekou Touré, c'est lui qui m'envoie la liste avec les numéros matricules. Et les options, hein, les profils quoi. Donc, et le département d'affectation. Donc, d'insérer. Donc, moi, à mon tour, il y a un arrêté conjoint, il y a un arrêté déjà signé, un ancien arrêté. Je vais maintenant, je modifie le contenu. Hein. Donc, je n'ai pas de signature, je ne fais pas de signature, je n'ai pas de cachet.
Donc je viens au niveau de prestations. Je viens au niveau de prestations pour venir faire le travail. Donc il n'y a pas de cachet comme je vous ai dit tantôt. Il n'y a pas de cachet, je n'ai pas de signature. Quand je vais dans une super, je fais les scans. Donc vous avez aussi. Merci monsieur.